Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du stage avec Florian Angot. Je suis actuellement en train de faire la nébulisation du matin à Sapristi. Et là du coup ce que je vais faire après, c'est qu'on va lui enlever les guêtres de repos qu'elle a eu pour la nuit. Il y a de l'argile en dessous. On va enlever l'argile avec la douche à l'eau chaude. Et ensuite on va la mettre au pré qu'elle profite un petit peu de ce matin, parce qu'on va partir à 11h. Lui il est fatigué de sa journée alors qu'il a rien fait. Donc je vais les mettre au pré après la nébulisation et après que j'ai retiré l'argile. Après vers 10h30 je vais récupérer sa prise du pré. Et on va préparer, on va la brosser et tout. Et après on va partir pour le stage. Le 13h à cheval, donc voilà, pour l'instant elle profite et on va commencer la vidéo maintenant. Et non mais... Tu vois pas où il est le problème? Mais y a pas de problème maman. Incroyable. Il pressait de descendre. Ouais bah 30 secondes, on a marre, on a marre. Toi j'en ai pas marre moi. Mais oui, moi. C'est good? C'est good! Allez! Tu mets pas dans le nez là. Thank you.
qui a fait fonction. Voilà, mets la roue, mets la roue. Le tout, c'est d'avoir une bonne distance pour qu'on puisse mettre la jambe. Ce n'est pas la vitesse qui va faire tourner. Parfait. Ça, c'est bon, ça. Vous allez pas toucher. Allez, relâchez. Voilà, décontracte l'arme. Bien qu'elle se relâche. Lâche. Elle est bonne. C'est vachement bien ce que tu m'as fait là.
On est prêt? On est prêt à rentrer? Oui. Oh la tête. Les guêtres, elles sont mises, l'argile, il est mis, le poney, il est embarqué, comme vous pouvez le voir, elle a l'air fatiguée, mais c'est pas vrai du tout, elle a encore beaucoup de ressources. Elle était bien, même si elle était un peu moins décontractée qu'hier. C'était bien quand même, t'as fait des bonnes choses. Et là, tu te reposes. Tu fais genre t'es fatiguée, mais t'es pas du tout fatiguée, arrête. Hein. Ouais, ouais. Allez. Et voilà, on est rentré. On est rentré la grosse. Ça va. Ça va, t'as fait bon voyage. Oh oui, oh. Allez, recule. Allez, recule. Oh là. Hop. Oh le chat. Oh le chat. Il est où le chat? Hop. Elle est dans l'herbe. Après l'effort, le réconfort. T'as bien mérité quand même. Hein? Puis pas de jaloux. Non, pas de jaloux. Je mange. Ah oui, t'as raison. Heureusement que tu me fais pas ça toi. Bon, après le stage, nettoyage du vent, qui en avait un peu besoin, parce que sa petite avait fait... deux ou trois crottins, je sais plus dedans. Donc, on réétale la paille. Hop. Tac. Et voilà. Et demain matin, j'en aurai besoin parce que je les emmène au pré en bas de chez moi. Puisqu'il est plus inondé. On se retrouve à la toute fin du vlog. Ça y est, c'est terminé. Le stage est fini. Donc, après. Avoir suivi ces trois vidéos de vlog, bah déjà je voudrais vous remercier pour ceux qui ont suivi les trois vidéos qui ont composé ce vlog, donc vlog sur trois jours. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'étais très contente de ce petit stage, c'est vraiment très sympa. Sapristi et une jument qui est assez particulière à monter, ça voilà. Et aujourd'hui elle était un peu plus chaude, on va dire, un peu plus gazée que la veille. Mais cependant, bah, elle a fait un très bon dernier tour. Moi j'ai dû juste refaire un cercle parce que j'étais en apnée totale et j'arrivais plus à respirer. J'ai vraiment du mal à respirer quand je suis à cheval parce que non seulement j'ai très peu de souffle, j'ai pas du tout d'endurance et bah, depuis que j'ai repris l'équitation, je peine à respirer à cheval quand je suis sur un parcours d'obstacle tout simplement. Voilà. Donc à part ça, c'était vraiment très très bien, j'étais très contente, même si elle était encore une fois bah, très gazée. Florian a dit qu'elle était vraiment vraiment cool. Elle a bien travaillé, elle a fait un bon dernier tour et puis bah, elle a bien repris, c'est ça qui est important. Encore quelques mois de remusculation on va dire pour qu'elle retrouve son physique d'avant et qu'elle puisse prendre les places qui viennent plus ou moins bien, qui viennent dans le pied, qui viennent un peu longues et qu'elle puisse pardonner un peu plus tout simplement parce qu'aujourd'hui elle pardonne absolument rien. Et parfois elle prend des foulées qui... bon voilà. Mais en tout cas je suis très contente du stage, c'est super positif. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !